Madame Ilham Kabouya, bonjour. Bonjour. Alors, une campagne de reboisement d'envergure débute demain, c'est-à-dire ce mardi, à partir de Djelfa. 60 millions d'arbres seront plantés à horizon 2025. Il s'agit là d'une opération de recouvrement du végétal perdu en raison des incendies et autres aléas qui ont conduit, bien sûr, à la dégradation de notre patrimoine forestier, qui ne représente en définitive que 0,2% de la superficie globale du pays. Madame Kabouya. En effet, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, donc le 25 octobre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à travers la Direction générale des forêts, organise donc la célébration de cette journée. Au niveau, donc la célébration officielle se fera au niveau de la wilaya de Djelfa. Et cette journée coïncide avec le lancement donc d'un programme d'envergure nationale de réhabilitation et de restauration des paysages forestiers à travers le territoire national. Comme vous le savez, les forêts subissent des dégradations de tout type. Il n'y a pas d'ailleurs que les incendies qui dégradent les forêts. Il y a les changements climatiques, il y a toutes les actions anthropiques. Et il était opportun, judicieux, de lancer donc un programme pour la réhabilitation donc de cet écosystème. C'est vrai que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts, vous savez, depuis 62 pour réhabiliter un petit peu cet écosystème, puisqu'en 62 nous étions à 3 millions d'hectares, dont 2 millions étaient des vestiges de forêts. Ce patrimoine a été amené à 4,1 millions d'hectares grâce aux efforts de reboisement et de régénération. Là, c'est juste pour vous dire que nous n'avons cessé d'essayer de repeupler et d'étendre un petit peu ce patrimoine. Alors, si le coup d'envoi sera donné à partir de Djelfa, cette ville steppique, c'est pour faire référence au barrage vert, le barrage vert qui a été créé par la décision du feu président de la République, Houari Boumediene, le 23 juin 1975. Oui, effectivement, le choix de la wilaya de Djelfa n'est pas anodin. Comme vous le savez, le projet du barrage vert, donc c'est un projet d'envergure sur plusieurs années qui est piloté par la Direction générale des forêts, pour lequel contribuent plusieurs secteurs, puisque, comme vous le savez, le barrage vert qui est sur 13 wilayas au niveau de la steppe va comprendre des espèces pastorales, fruitières et forestières. Donc c'est vrai que le choix a été fait pour, je veux dire, pour la plantation surtout d'espèces à intérêt économique pour aider un petit peu toutes les populations de ces wilayas. Alors cette ceinture verte, justement pour faire barrage à l'avancée du désert, c'est à partir de 2010, le barrage vert est remis au goût du jour. Une étude de réhabilitation et son extension est lancée en 2012. Un plan d'action est proposé en 2016. Il y a eu bien sûr plusieurs réunions, plusieurs ateliers qui ont été mis en place pour examiner ce programme de réhabilitation dès 2018. En 2019, le gouvernement annonce la mise en place d'un organe de coordination afin de lancer les travaux. En 2021, on se rappelle tous que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donner des instructions pour reprendre dans sa globalité le barrage vert, fer bien sûr, qui constitue aujourd'hui une des ceintures contre l'avancée du désert. Où en est-on aujourd'hui avec ce plan de réhabilitation du barrage vert? Les choses avancent aujourd'hui puisque la volonté, c'est un peu de reboiser toute cette région. Oui. Alors, la volonté y est, comme vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de choses ont été faites pour essayer de réhabiliter un petit peu ces territoires. Et aujourd'hui, donc, il y a un plan d'action qui est là, un plan d'action multisectoriel, et des financements vont être débloqués pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Alors, des financements pour ce plan d'action, il s'agit aujourd'hui aussi de planter de façon à ce que, bien sûr, ces nouveaux plans résistent le plus longtemps possible. On ne Effectivement, plante pas comme on veut, ni n'importe quoi. non, non, tout à fait. Effectivement, vous avez bien raison, Madame Souhila El Hajmi. On ne plante pas ce qu'on veut là où on veut. Il y a des choix
à faire. Effectivement, le choix des espèces est très important au niveau de ces régions. Et comme je l'ai dit, nous avons opté surtout pour le choix d'espèces à intérêt économique. Et ça, c'est très important parce qu'il faut absolument aider ces populations à justement aller de l'avant. Et il ne faudrait pas rester uniquement dans une seule espèce, comme l'erreur avait été faite par le passé dans les plantations au niveau du barrage vert, puisque c'est l'essence. L'essentiel, c'était le pin d'Alep. Et c'est pour ça qu'il fallait quand même faire cette étude qui a été faite par le BNEDER et qui a été présentée en 2016. Mais avec cette opération de reboisement qui va débuter à partir de demain, est-ce qu'on a pris en considération aujourd'hui les aléas climatiques avec le réchauffement de la terre? Il faut planter, par exemple, des plants qui sont résistants à la sécheresse et qui puissent un peu ne pas consommer énormément d'eau. Oui, effectivement, c'est important. Le choix des espèces est important en fonction des régions. Mais vous savez, Quand Madame vous parlez des Sorel-Halajmi, régions, lesquelles des régions? alors par exemple, entre le nord, le sud, la steppe, l'est, l'ouest, donc en fonction de la pluviométrie, etc., en fonction de... Il y a beaucoup d'aléas. Mais je voudrais aussi souligner qu'il y a des choses importantes. C'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que planter n'est pas uniquement creuser et mettre à terre un plant. Il y a tout le suivi qui se fait. Et donc, quel que soit l'espèce choisie, il y a des actions qui doivent se faire après plantation et nous axons énormément là-dessus parce que nous avons énormément planté. Malheureusement, il y a eu quand même des échecs, il faut le dire, faute de suivi des plants. Parce que comme vous le savez, un arbre forestier notamment, c'est pas comme un plant de tomate ou un plant de pommes de terre. La production ne se fait pas au bout de 2 mois ou de 6 mois ou d'une année. C'est un travail de longue haleine. Donc quand on plante un plan forestier, il faut toujours prévoir tout l'entretien qui doit se faire les années qui suivent, particulièrement les 2 ou 3 années qui suivent. Et c'est sur ça que nous essayons quand même de travailler. Et c'est bien pour ça que nous avions lancé l'année dernière cette opération avec les associations pour les encourager au plantement, à planter, mais surtout... les encourager et nous avons trouvé le moyen pour qu'ils puissent prendre en charge ces plants après plantation. Donc, c'était une manière de les responsabiliser, donc de responsabiliser un petit peu la société civile par rapport à toutes ces opérations de plantation et de reboisement, parce que il faut bien comprendre que même si les plantations et les reboisements font partie des missions du secteur, mais tout le monde doit y contribuer et tout le monde est responsable justement par rapport à ça. Et d'ailleurs, je dois dire que depuis quelques temps, beaucoup d'entreprises vraiment s'investissent dans les plantations et les reboisements, que ce soit par simplement des financements ou simplement aussi par des actions de plantation, par des financements d'achat de plants pour des associations notamment. D'autres secteurs aussi s'investissent énormément et ça c'est très important pour nous parce que vous pourrez comprendre quand même que le secteur seul par rapport à ça ne peut pas faire grand-chose. Mais quand vous dites qu'il faut assurer aussi le suivi, qui doit assurer ce suivi? Alors, Les gardes forestiers, c'est-à-dire la les DGF, gardes ou forestiers, aussi les citoyens qu'il faut impérativement impliquer dans ces opérations de reboisement. le secteur Puisqu'on parlait forestier de la ne société peut civile. pas assurer le suivi à lui seul. Il est important que la société civile et que les populations travaillent avec le secteur des forêts pour ce suivi. Quand je parle de suivi, c'est-à-dire qu'il y a tout l'entretien, notamment l'arrosage. Ces plants doivent être arrosés, notamment pendant les périodes chaudes. Et ça, je pense que la société civile peut aisément le faire, ou peut-être d'autres entreprises ou d'autres secteurs aussi. Les collectivités locales en priorité Notamment. également. Alors, Notamment. Cette démarche, bien sûr, de reboisement fait suite, on le sait, on l'a vécu pendant pratiquement ces dernières années, aux feux de forêt qui ont été extrêmement dévastateurs. Quels seront les plants qui seront plantés pendant cette période, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la forêt, elle a aussi une portée économique importante? Effectivement. C'est vrai que dans les années passées, nous avons surtout, enfin, la stratégie du secteur était surtout la protection. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la donne a changé et on ne peut pas rester uniquement dans la protection. Quand on parle de gestion durable des forêts, c'est justement pour pouvoir valoriser ces espaces et
pour qu'il puisse économiquement être viable. Effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus pour essayer d'abord de vraiment d'assurer une gestion durable de la forêt pour qu'elle puisse être valorisée et qu'elle puisse être économiquement viable. Ce n'est pas des choses aisées quand on voit un petit peu la vitesse à laquelle ces espaces sont dégradés par des actions anthropiques notamment, et surtout, il ne faut pas oublier le changement climatique, puisque nous le subissons. Vous voyez bien, Madame Souhila Lahechmi, ces hausses de température hors saison qui dérèglent un petit peu, vous savez, la nature. Là, nous avons des températures ces derniers jours qui dépassent les 30 degrés, ce qui est tout à fait anormal pour un mois d'octobre. Voilà, il n'a pas du tout plu pendant cette période automnale. Alors, la portée économique, on était leader dans certains, bien sûr, filières, comme ce fut le cas durant les années 90, même 80, par rapport au liège et sa production. Nous l'exportions vers plusieurs pays de l'Europe. Aujourd'hui, bien sûr, il y a une recul de la production. Est-ce que la volonté, c'est de reprendre aussi cette démarche économique au niveau des forêts? Non, je vous rassure, la volonté y est. Et nous sommes sur des un projet, aussi. Bien sûr, effectivement. Mais il faut déjà une volonté et après les actions. Donc là, nous sommes sur un projet de réhabilitation justement de la Subraie pour que l'Algérie reprenne sa place qu'elle avait d'antan. Et par rapport à la production de liège, effectivement, il y a eu un recul ces dernières années dû à beaucoup de facteurs. Oui, il y a eu l'alpha aussi, il y a dû à beaucoup de facteurs. Mais il y a, comme je vous l'ai dit, un projet d'envergure nationale pour la réhabilitation de la Subraie algérienne. Alors, qu'est-ce qui sera planté pendant cette période d'opération, bien sûr, de reboisement? C'est une opération, on le rappellera pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, d'envergure, qui va s'étaler jusqu'à 2025 et ça concernera l'équivalent de 60 millions d'arbres qui seront plantés. Alors, donc l'objectif effectivement est de 60 millions d'arbres sur 2022-2025. Pour cette année, il est prévu une moyenne à peu près de 17 millions d'arbres à planter. La campagne de plantation et de reboisement débute donc le 25 octobre et va s'achever au mois de mars. Donc c'est quand même plusieurs mois de travail. Donc il y a tout un plan d'action. Les pépinières sont prêtes, justement, les plans sont là, que ce soit les pépinières de l'administration forestière, privée ou autre, pour fournir les plans nécessaires. Les espèces, elles sont nombreuses en fonction des régions, mais nous avons axé surtout sur des espèces telles que le chêne liège, notamment parce que nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, sur un projet de réhabilitation de la Subraie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va y avoir une diversification. Donc nous n'allons pas rester sur le choix d'une ou deux ou de trois espèces, mais il y aura une large diversification des espèces à planter. Des espèces, même des arbres fruitiers? Notamment pastoral, fruitier et forestier. Alors, Madame Ilham Kabouya, je voudrais aborder avec vous une question qui est aujourd'hui essentielle, au centre, bien sûr, de toutes les actions que vous êtes en train d'engager au niveau de la Direction Générale des Forêts, bien sûr, avec les augmentations de température qui sont une conséquence, bien sûr, du réchauffement climatique, puisqu'à travers le monde, même dans les pays où on ne le pensait pas, on parle aujourd'hui de sécheresse et d'augmentation de température, comme c'est le cas, par exemple, en Irlande, en Islande ou en Grande-Bretagne. Alors, quelles sont les actions engagées aujourd'hui pour protéger notre patrimoine forestier de toute forme de dégradation, comme par exemple les feux de forêt qui sont devenus de plus en plus spectaculaires et ravageurs? Oui, effectivement. Nous avons bien vu cet été les incendies de forêt qu'il y a eu notamment dans l'été le bassin dernier l'été dernier, dans le bassin méditerranéen. Donc vraiment des incendies spectaculaires qui ont duré longtemps. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement le problème de sécheresse a vraiment accru ces phénomènes d'incendie. On parle de réchauffement climatique, mais il y a aussi un dérèglement climatique, puisqu'on voit il y a des épisodes de chaleur et des épisodes très pluvieux. Et nous l'avons vu ces derniers temps, notamment dans la rive nord du bassin méditerranéen. Donc chaleur, puis des pluies diluviennes avec des grêlons, etc. Ben, effectivement, on subit de plein fouet ce problème de changement climatique. Comment lutter
contre le réchauffement climatique par la plantation et le reboisement. Vous savez que la forêt, c'est le deuxième puits de carbone après les océans. Ça, c'est très important quand même de le souligner. La forêt aide à l'atténuation des effets de gaz à effet de serre. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il faut planter, planter, planter. Vous savez que l'arbre est un excellent climatiseur, donc ça diminue les températures. Et ça, beaucoup de gens aussi ne le savent pas. Et donc, planter, planter et planter. Mais quelles sont les actions engagées au niveau de votre direction pour protéger ce patrimoine forestier contre toute forme de dégradation, comme les feux de forêt aujourd'hui? Alors, comment protéger ce patrimoine forestier contre les formes de dégradation? Vous savez, c'est très compliqué. Comment vous allez agir contre les dégradations d'actions anthropiques? C'est toujours très compliqué à gérer. Comment protéger un patrimoine contre le réchauffement climatique en continuant à planter? Alors, planter des actions aussi de protection de ce patrimoine contre les incendies de forêt, puisque nous savons que vous avez mis en place pendant pratiquement cette période et l'année dernière également, un plan spécial de lutte contre les feux de forêt. Est-ce qu'on peut considérer que ce plan est suffisamment bien maturé pour protéger ce patrimoine? Suffisamment efficace aussi, parce que vous n'êtes pas les seuls intervenants, il faut le rappeler aux auditeurs. Il y a aussi les services de la protection civile, les collectivités locales, les services de sécurité. Mais au niveau de votre direction, est-ce que vous considérez que ce plan mis en place de lutte contre les feux de forêt est suffisamment efficace pour éviter, bien sûr, que ce qu'on a vécu déjà les dernières années puisse se reproduire l'année prochaine? Par rapport à ce qui s'est passé... Même s'il y a eu quelques petits feux de forêt ces derniers oui, jours, bien sûr, qui n'étaient pas très importants. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avions pris acte de ce qui s'était passé durant la campagne 2021. Donc, il y a eu quand même une catastrophe, il faut le dire. Et donc, notre stratégie... Ça a généré même morts d'hommes. Effectivement. Malheureusement, malheureusement. Donc, la stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêt avait été revue de fond en comble. Et effectivement, nous avions, pour la campagne 2022, mis en place un plan d'action à court, à moyen et à long terme. En ce qui concerne le plan d'action à court terme, qui a été réalisé d'ailleurs à 100%, nous a aidé à mieux gérer cette campagne en améliorant notamment la coordination avec les autres secteurs. Comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas les seuls intervenants en termes de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Maintenant, pour le post-incendie, parce que il y a donc les actions de prévention, il y a les actions de lutte, mais il y a aussi le post-incendie. Comment agir sur le post-incendie pour essayer de réhabiliter et restaurer tous ces espaces dégradés, notamment par les incendies? C'est les plantations, et surtout en zone montagneuse où il y a de fortes pentes. Nous avons privilégié dans nos plantations, notamment tout ce qui est, notamment les bassins versants, par exemple, pour éviter l'envasement des barrages et des retenues. Et d'ailleurs, je peux vous dire que pratiquement 80% des plantations et reboisements qui ont été effectués, c'est en zone de montagne. Et ça, c'est d'abord dans la partie nord du pays, mais en zone de montagne. C'est vraiment les parties les plus vulnérables. Pourquoi? Parce que la forêt a un rôle protecteur, notamment contre l'érosion hydrique et éolienne. La forêt, vous savez que par exemple le Shrea, quand on prend le parc national de Shrea, en quoi il est important? Son existence est importante parce que c'est un réservoir d'eau. Djurdjura, c'est un réservoir d'eau. Shrea, c'est le réservoir d'eau de la Mitidja. Et quand on prend par exemple Djurdjura, la même chose. Et c'est pour ça que pour nous d'ailleurs, cette journée, cette célébration, c'est vraiment l'occasion pour rappeler au large public un petit peu le rôle de protection qu'ont les forêts. Alors, quand vous parlez du rôle de protection des forêts, est-ce qu'il y a aujourd'hui une cartographie des zones vulnérables exposées aux feux de forêt? Est-ce que vous l'avez établie? Puisque ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est que ce phénomène de changement climatique a tout bouleversé au niveau, bien sûr, de la Terre, de la planète, et que les incendies atteignent même parfois des zones du sud du pays, puisqu'il y a eu quand même aussi dégradation par les feux de certains palmiers au niveau des localités du sud du pays. Oui. Alors, nous avons des cartes de vulnérabilité aux incendies par wilaya. Donc, chaque wilaya a sa carte de vulnérabilité. C'est vrai que... Par rapport à la densification forestière?
par rapport à la densification forestière, mais par rapport aussi à la récurrence des feux de forêt. Ça, c'est très important, parce que c'est là où nous, nous renforçons le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt, puisque nous avons des statistiques et nous savons exactement quels sont le nombre de foyers par commune, par daïra, par wilaya, et c'est là où nous renforçons, et c'est ce que nous avons fait cette année, puisque des postes avancés ont été installés dans certaines forêts avec les forces de l'ANP et la protection civile. Alors, ces espaces forestiers sont souvent habités ou on habite à proximité. Est-ce qu'il faut aussi impliquer les riverains? C'est déjà fait, système madame. D'alerte. Bien sûr. Et c'est déjà fait. Et former aussi. Oui. Sur les actions à entreprendre tout à fait. En cas d'incendie. Donc, ça, c'était des actions phares de la stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêt 2022. C'était l'implication des populations riveraines aux forêts. Et comme vous l'avez dit, aussi les former, parce que ces populations doivent être à même de se défendre et de se protéger. Parce que souvent, des actions sont faites sans vraiment savoir quelles sont les conséquences désastreuses qu'ils peuvent avoir. Et nous l'avons vu, justement, et nous l'avons vécu durant la campagne 2021, puisque des gens malheureusement sont morts parce qu'ils ne savaient pas comment se sauver. Alors, Madame Ilham Kabiga, on parle bien sûr de cette opération de reboisement à l'occasion de la journée nationale de l'arbre à partir de demain. Elle va débuter à partir de Djelfa. Elle va s'étaler aussi sur d'autres localités puisque ça va être lancé simultanément à travers d'autres régions aussi, de l'Est, l'Ouest et le Sud du pays, comme par exemple Khanchla, Batna et d'autres localités à travers le territoire national, Constantine et même Sidi Bel Abbès, Mostaganem et également on parle d'Adra. Alors, planter aujourd'hui en milieu urbain, est-ce que ceci pourrait être envisagé? Puisqu'on a vu dans certaines grandes capitales à travers le monde, il y a des forêts même en milieu urbain. Oui, ça doit se faire, même si ce n'est pas le rôle de la Direction Générale des Forêts, mais créer des espaces verts au niveau des villes et des espaces urbains. C'est les poumons des villes. Exactement, ce que je disais tout à l'heure. L'arbre fait diminuer les températures et donc planter au niveau des sites urbains est très important. Il draine même les nuages, il attire les nuages. Tout à fait, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il draine même les nuages, fait diminuer les températures, va ramener la pluie et tout ça est très important. Quand on le voit dans d'autres pays, un petit peu l'importance qu'on donne aux espaces verts au niveau des sites urbains et des villes. Et c'est des espaces également de détente en milieu urbain. Planter en milieu urbain, cela pourrait être envisagé, cela pourrait apporter une valeur ajoutée par rapport justement à la pollution de la capitale, notamment, et d'autres villes aussi du pays. Bien sûr, puisque l'arbre filtre l'air, justement. Donc, c'est une manière de lutter contre les pollutions au niveau des villes. Comme je le disais, malheureusement, ce n'est pas l'adage de la Direction Générale des Forêts, mais on devrait quand même essayer d'autres secteurs qui sont, dont la mission, en tout cas, et de la création des espaces verts au niveau des villes, devraient vraiment s'y atteler pour le faire. C'est le rôle des collectivités locales de les entretenir, puisqu'on a quelques espaces au niveau de la capitale, mais parfois ils ne sont pas tellement beaucoup entretenus. On a la forêt de Bouchaoui, on a la forêt de Baïnem, on a également à Ben Haknoun, un petit espace forestier qui est très très agréable pour la détente, où les Algériens se retrouvent, souvent au niveau de cet endroit. Et on a aussi la forêt du Jardin d'Essai, je crois, si je me trompe pas. Le Jardin d'Essai, c'est un jardin, donc c'est un jardin botanique. Qui est aussi classé. Oui, qui est classé, et donc c'est la wilaya d'Alger qui le gère, mais qui est très bien entretenue. Par contre, je voulais juste revenir, parce que vous avez cité la forêt de Bouchaoui. La forêt de Bouchaoui, vous savez qu'il y a énormément de maladies qui se sont déclarées au niveau des arbres. Il y a une très forte charge au niveau de la forêt de Bouchaoui qui a fait que cette forêt est en danger aujourd'hui. Hein. Ça, il faut vraiment le souligner, c'est très important. C'est vrai que les Algérois, c'est une des forêts les plus proches dans laquelle ils vont se détendre. Donc vous avez bien vu, il y a toutes les commodités pour les enfants, etc. Mais cette forte charge continue a fait qu'aujourd'hui, les arbres sont malades. Si les arbres sont malades, ça veut dire qu'il va falloir peut-être être obligé de couper.
Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a un réel problème au niveau de cette forêt. Mais quelles sont les conséquences de cette forte charge continue ? C'est la forte charge humaine. C'est la forte fréquentation. C'est la forte fréquentation qui fait qu'aujourd'hui, ces arbres sont malades. Ces arbres sont malades. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de les entretenir, Madame Ilham Kabouye, fermer, par exemple, pour une durée très limitée, la forêt, pour pouvoir soigner ces arbres, ou ça va être très difficile ? Ça va être très compliqué. Malheureusement, on ne peut pas fermer pour une courte durée. Ça sera insuffisant pour remettre en état ces arbres, parce qu'aujourd'hui, ils ont atteint vraiment un état de dégradation quand même assez important et très inquiétant pour nous. Alors, vous avez cette question de l'auditrice qui est très intéressante. On ne voit que deux types d'arbres dans nos villes, le fécus et le palmier. Pourquoi ne pas diversifier avec d'autres variétés comme l'érable, le cèdre, le hêtre, le chêne ou encore le platane qui est utilisé comme arbre d'alignement pour orner les rues, les routes et les places et les squares? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup le choix aujourd'hui. Les dernières plantations, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de choix d'espèces, mais ça devrait se faire. Sur notre autoroute, il y a le palmier. Oui, effectivement. Alors qu'on est une région aussi méditerranéenne, on a tendance à l'oublier. Oui, effectivement. Mais par contre, dans les espèces... Avant, il y avait le mimosa pour orner. Effectivement. Mais par contre, dans les espèces qu'elle a citées, il y a certaines espèces qui ne sont pas très adaptées en région méditerranéenne. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un choix opportun à faire. Mais par contre, il y a d'autres espèces autochtones qui pourraient très bien réussir. Mais avoir fait migrer, bien sûr, des palmiers du sud vers le nord aussi, ce n'est pas adapté aux régions du nord du pays. Alors, Madame Ilham Kabouye, moi, je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a nécessité de prise de conscience sur l'importance de ces espaces forestiers ? À tout point de vue, sur le plan environnemental et sur le plan aussi économique. Oui. Parce qu'ils ont Vous savez, je pense que quelque part, il y a une prise de conscience par d'autres secteurs, par des entreprises. Quand on voit un petit peu l'engouement en 2021-2022 de ces entreprises pour contribuer aux plantations et aux reboisements, bon, on se rend bien compte que quand même, il y a une prise de conscience. Maintenant, la prise de conscience, elle doit être à plusieurs niveaux. Elle doit être au niveau de la population. Il faudrait que tout le monde prenne conscience que l'existence d'un arbre est très importante, parce que quand vous essayez de planter et qu'on passe tout de suite après vous et qu'on arrache un petit peu ce que vous avez planté, ou qu'il y ait des enfants qui passent et qui cassent tout simplement ces arbres, bon là on se dit que bon, il y a finalement la prise de conscience, elle n'est pas si importante que ça. Moi je pense qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus. Maintenant, il y a aussi une prise de conscience à un autre niveau où il faut vraiment mettre en place les financements nécessaires pour pouvoir mettre en place les actions indispensables pour une gestion durable et la réhabilitation et la restauration de ces espaces. Même principe pour celui qui brûle une forêt centenaire ou millénaire, il faut attendre minimum 30 ans ou 40 ans, voire même 50 ans pour la voir régénérer. Alors je voudrais revenir avec vous sur une autre question. Est-ce qu'on a des estimations sur les niveaux de pertes qu'on a subis ces dernières années, si on devait prendre par exemple un chiffre exhaustif sur les feux de forêt et les ravages qu'ils ont occasionnés? Est-ce qu'on a des indicateurs, chiffre précis par exemple, ce qu'on a perdu ces dernières 10 années ou ces 5 dernières années? Bon, je peux vous dire déjà que sur les 10 dernières années, nous avons à peu près une moyenne de 30 000 hectares d'espace qui a été brûlé. Donc ça vous donne déjà une indication sur les espaces qui ont été incendiés. Maintenant, c'est vrai que sur ces 30 000 hectares, tous les espaces ne sont pas totalement perdus, bien évidemment. Il y a des espaces sur lesquels le feu n'a fait que passer, il a léché, le feu a léché un petit peu ces espaces, et là, bon, il y a une régénération naturelle qui se fait. En termes de réhabilitation de plantations et de reboisement, je peux vous dire que jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans, nous plantions à peu près des moyennes de 60 000 hectares par an.
Bon, un peu moins ces 3 ou 4 dernières années. Donc, vous imaginez, il y a une perte quand même de 30 000 hectares, des plantations de 60 000 hectares. Donc, il y a quand même des efforts qui sont là. Mais je reviens... Mais on peut récupérer facilement ce qu'on a perdu ou difficilement, Madame Kabouy? Difficilement, parce que je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, au suivi des plantations. Le problème, il est là. Aujourd'hui, c'est pas, le problème n'est pas dans la plantation en elle-même, mais le suivi de ces plantations qui doit se faire sur plusieurs années pour assurer une réussite de ces plantations. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, Madame Ilham Kabouya, justement par rapport à ces espaces brûlés. Vous avez donné un indicateur, un ordre de grandeur, l'équivalent de 30 000 hectares ces 10 dernières années. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, que les forêts, c'est une responsabilité collective de tous les Algériens et il faudrait tout mettre en œuvre pour pouvoir les protéger en utilisant aussi des moyens de surveillance ultra-modernes qui permettent de protéger aussi ce patrimoine. Les satellites, les drones, il y a aujourd'hui le développement de la technologie qui fait qu'on puisse protéger les forêts, même si on a vu que dans les pays les plus développés, ils n'ont rien pu faire face aux forêts, aux feux de forêt. Effectivement, quand la Californie, par exemple. La Californie, aux États-Unis, l'Italie. Ou certains pays du bassin méditerranéen, où on a bien vu que cette année, effectivement, à un moment donné, donc, ils ont été vraiment dépassés par l'ampleur des incendies qu'il y a eu, causés par des imprudences, notamment. La forêt, effectivement, c'est la responsabilité de tous, même si le secteur est quand même en charge de sa gestion, mais c'est la responsabilité de tous. Donc, tout le monde doit se sentir concerné par donc la protection et de ces forêts. Mais pour cette prise de conscience collective et des citoyens, est-ce qu'il faudrait aussi associer les citoyens dans ces opérations de plantation, comme les opérations qui se faisaient par le passé, les opérations de volontariat? Oui, il y a les opérations de volontariat. Elles existent, c'est des actions toujours citoyennes, et mais est-ce qu'elles sont aujourd'hui conduites par la DGF? Nous avons été plus loin depuis l'année dernière puisque nous avons établi des conventions avec des associations pour les plantations et le suivi des plantations que ces associations ont effectuées. Donc, des espaces ont été attribués à ces associations. On leur a fourni les plans nécessaires pour la plantation et c'est pour nous, justement, une manière de mieux responsabiliser donc le citoyen général, puisque à travers ces associations, ce sont d'abord des citoyens. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le palmier est décoratif, il n'est pas, il ne fait pas beaucoup d'ombre, en plus, il est pratiquement pas apprécié par beaucoup de citoyens qui souhaiteraient voir au niveau des régions côtières d'autres plantes. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question? C'est une appréciation. Effectivement, le choix des palmiers a été fait depuis un certain nombre d'années. Bon, maintenant, est-ce que c'est pour faire le bon référence à notre sud du pays? Oui, oui. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Maintenant, c'est à voir. Maintenant, il est pas exclu que d'autres espèces seront plantées à l'avenir au niveau des autoroutes ou même ailleurs. Alors, autre question, y a-t-il un plan national de développement et d'entretien des vigies pour la surveillance des incendies de forêt? Les postes de vigie? Oui, pas, c'est-à-dire voilà, de vigilance et bien sûr le renforcement des effectifs de la DGF puisque vous êtes en sous-effectif. Effectivement. Et on le dit depuis quelque temps déjà. Oui, 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 depuis un certain nombre d'années, effectivement, il n'y avait pas eu beaucoup de recrutement. Bon, là, il y a eu beaucoup de départs à la retraite, mais pas de recrutement. Et tout à fait, effectivement. Donc à l'image d'autres secteurs aussi, j'imagine. Hein, il n'y a pas que le secteur des forêts. Là, des efforts ont été faits, donc il va y avoir des recrutements. Maintenant, pour l'entretien et la construction des postes de vigie, donc chaque année, effectivement, des financements sont alloués pour ça, mais restent toujours insuffisants. Il faudrait quand même beaucoup plus de postes de vigie. Maintenant, l'utilisation de la technologie moderne n'est pas exclue aussi, parce qu'elle aide, on a bien vu dans d'autres pays, elle aide énormément en termes de surveillance et d'alerte. Alors, y a-t-il un programme de plantation pour protéger les barrages d'eau contre l'érosion et diminuer le taux d'humidité, étant donné que ces dernières années, nos villes côtières sont devenues invivables, comme c'est le cas dans la wilaya de Djedjel, qui possède quand même l'équivalent de 5 barrages? Oui, sur chaque son année, territoire. Il y a... Même à Alger, effectivement. Il y a beaucoup d'humidité. Tout à fait. Chaque année... La chaleur est générée par l'humidité. Oui, oui, tout à fait. Donc, chaque année, il y a un programme de plantation au niveau donc, des bassins versants pour la protection des retenues et des barrages.
Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Madame Ilham Kabouya, parfois, manque d'entretien, certains arbustes meurent trop vite et n'arrivent pas à se développer. Comment les entretenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des actions de suivi qui doivent être engagées? Est-ce que c'est votre responsabilité au niveau de la DGF ou celle des collectivités locales? Madame Ilham Kabouya, vous plantez et vous entretenez ou vous plantez seulement? On plante et on entretient normalement. Et c'est bien pour ça qu'on a essayé de faire contribuer toutes les associations et les collectivités locales pour le suivi notamment. Comme je le répète, c'est l'action la plus dure parce qu'elle est longue. Elle dure des années. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur. Ils sont très nombreux, ces questions ce matin, Madame Ilham Kabouya. Bien sûr, ce patrimoine forestier, il ne contient pas seulement des arbres, il y a aussi de la vie au niveau de ces forêts, puisqu'il y a aussi des habitations qui sont au niveau de ces espaces. Et il y a aussi les animaux. Comment protéger ces espèces qui, parfois, sont des espèces très, très rares contre certaines actions également? Le braconnage, par exemple. Notamment. Bon, le braconnage n'existe pas que dans les forêts, il existe partout, dans toutes les régions du pays. Arriver à une gestion durable des forêts, c'est arriver à protéger la biodiversité qui y vit, quelle qu'elle soit, que ce soit faune ou autre. Donc, il faut privilégier une gestion durable. Comment privilégier une gestion durable? Donc, arriver à avoir les financements nécessaires pour l'élaboration donc, des études d'aménagement et des plans de gestion. Et ça, c'est très important. Chaque forêt doit être dotée de son plan de gestion. Donc, là, dans le plan de gestion, c'est des actions annuelles. En tenant compte de ses spécificités. Effectivement, en tenant compte de ses spécificités. Comme pour le barrage vert, par exemple. Par exemple. Parce que toutes les forêts ne peuvent pas être productives. Ça peut être des forêts destinées uniquement à la protection, comme il y a certaines forêts qui sont destinées à la production. Alors, vous avez mis en place un certain nombre de mesures préventives l'année dernière pour éviter bien sûr qu'il y ait propagation des feux de forêt à titre préventif. Est-ce que vous pensez reconduire ce type de dispositif à l'avenir puisqu'ils ont donné des résultats appréciables, notamment à l'approche par exemple de l'Aïd al-Adha, puisque certains espaces ont été complètement clôturés, interdits d'accès pour les citoyens pour éviter bien sûr les barbecues. Est-ce qu'il faut maintenant mettre en place un plan qui permet, par exemple, de délimiter les espaces accessibles aux citoyens? Alors, en fait, on y arrive crescendo. Il faut y aller vite. Oui, il faut y aller vite, bien évidemment. Mais c'est vrai que cette année... Dans toutes les forêts, vous avez des espaces qui sont accessibles et les espaces non accessibles pour ne pas aller vers la dégradation des arbres, comme vous l'avez dit et signalé pour la forêt de Bouchaoui, qui est malheureusement très endommagée aujourd'hui. Oui. Alors, dans les années passées, donc effectivement, le citoyen pouvait mettre son barbecue un petit peu là où il voulait. Bon, au vu donc de la recrudescence des incendies et tout ce que nous avons vécu, nous avions été obligés de limiter l'utilisation des barbecues jusqu'à cette année, ou interdire même l'accès de certains espaces forestiers pour limiter les incendies de forêt. Maintenant, à l'avenir, il faudra effectivement prévoir des espaces au niveau de certaines clairières ou vraiment des espaces qui ne sont pas très ombragés pour permettre aux citoyens de mettre son barbecue, ou peut-être même, pourquoi pas, que les collectivités locales ou même la Direction Générale des Forêts, ou voir un petit peu la possibilité d'installer des barbecues collectifs, pourquoi pas, et qu'ils puissent être utilisés sous surveillance. Je ne parle pas exclusivement des barbecues, je parle des zones accessibles aux citoyens qui veulent bien sûr passer un moment agréable au niveau de forêt pour les espaces de détente ou autre activité, c'est-à-dire délimiter l'espace accessible. Est-ce qu'il faut mettre en place des structures qui permettent de délimiter les espaces accessibles et ceux qui ne le sont pas, pour ne pas bien sûr bouleverser la vie de la faune et de la flore? Alors, et ne pas se retrouver comme c'est la situation à Bouchaoui, où les arbres aujourd'hui sont contaminés. Les espaces accessibles, c'est à travers les forêts récréatives. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle les forêts récréatives, et ces forêts récréatives seront ouvertes au public, donc de tout temps. Et les autres, interdits d'accès? Pas tout l'été, mais justement, au niveau de l'Aïd al-Kbir, on l'avait fait parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce que sinon, vous imaginez, je peux vous dire que dans les années passées, le nombre de déclenchements de foyers le deuxième et troisième jour de l'Aïd al-Kbir était très très important. Alors, l'entretien des forêts aussi, c'est une autre mission qui vous est bien sûr conférée. Est-ce qu'on arrive à le faire aujourd'hui, puisque certains services, par exemple de la protection civile, déplorent parfois pour pouvoir accéder, il n'y a pas suffisamment de pistes?
Oui, effectivement, la protection civile se plaint énormément donc du manque d'accès aux forêts. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... C'est le rôle de la Direction générale des forêts. Effectivement, c'est le rôle de la Direction des forêts, l'ouverture et l'entretien des pistes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas ouvrir non plus des pistes à tout va parce qu'il y a des normes. Alors demain, Djelfa, d'autres localités aussi concernées par cette opération de reboisement. Territoire national. C'est sur tout le territoire national. Il faut tous s'impliquer, mettre la main dans la pâte pour pouvoir un peu régénérer ce patrimoine important pour notre vie au quotidien. Madame Ilham Kabouya, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Il faudrait que tous en plantent un arbre. Merci. Au revoir.